Tout ça pour ça. Tout ça pour de la quincaillerie. 1, c'est bon, tu vois, non? Oh. Attends, moi je mets le flash. C'est comme au cinéma. En première ligne, voilà, stratégie, je suis casquette verte au plus près pendant 10 bornes. Je fais comprendre que je suis en forme et que sa petite fesse usée, elle va pas tenir. Après je trace. Je pense qu'il va lâcher mentalement et ça va être... J'ai mis en mode vidéo, je prendrai le meilleur. Parti 3 km et quelques. Vous verrez pas grand chose pour les premières heures, forcément. Kilomètres impec. Alors ce que j'ai pas dit, c'est que je pars sur cette course thanks blessé au pied gauche, début d'inflammation de la voûte plantaire. Pour l'instant ça se passe super bien, en fait je le sens pas, ça a chauffé avec les 2-3 premiers kilomètres, donc cool, affaire à suivre, hein. Le chemin est long. Thank you guys. Thanks. Thank you. Je viens de biper le 12e kilomètre. Donc là il y avait un petit ravito surprise au 11 qui n'était pas prévu, bon très léger, que de l'eau et de l'iso. Moi je me suis pas arrêté puisqu'il n'était pas prévu. Moi j'ai tout ce qu'il faut. Voilà. On s'enfonce dans la nuit. Du coup il doit être 19h et quelques. Ah oui, parce que ici et du coup la tombée de la nuit c'est 17h20. Et le lever du jour c'est vers 7h30. Donc tout à l'heure, enfin demain, je courrai 10h de jour. Et hop, de nouveau dans la nuit. km. Je viens de finir la première ascension, donc là on la redescend avant de la remonter. C'est la seule petite boucle à faire sur le parcours. C'est méga boueux, j'ai les pieds trempés, ça s'entend. Deuxième ravito, en fait c'est le même endroit, tu mets un bracelet pour indiquer que tu es déjà passé. Hi. No, it's okay, thank you.
Donc là, j'ai rechargé en eau. Donc voilà, à repartir. Bon, je viens de quitter le ravito de 32 km. Alors, du coup, j'ai enlevé tous mes petits papiers de consommables que j'ai mangé. J'ai repris de la bouffe qui était dans le fond de mon sac pour les mettre sur les poches où c'est accessible facilement. J'ai re-rempli ma poche à eau parce que j'ai déjà bu 1,5 litre d'iso pastèque. Donc j'ai remis de l'iso. Je sais pas si c'est pastèque ou citron. C'est eux qui me l'ont donné. Je l'ai un peu moins dosé parce que j'ai pas trop kiffé boire que de l'iso. Au niveau du ventre, ça faisait bizarre. Donc voilà, je vais un peu plus diluer. Je vais pas prendre de risques. Et voilà, que dire de plus? Enfin, ça avance, j'ai déjà les jambes un peu lourdes, mais bon, je connais mes jambes, je sais que je peux encore courir longtemps comme ça. Et donc là, on va refaire une belle ascension, enfin une belle ascension, genre 600-700 dénivelé. Puis après, ce sera 80 km de plat. C'est parti. Ouais, il est léger celui-là. Ça va, comment tu le sens? Ça va, j'ai un peu les jambes lourdes, mais rien de méchant. Je m'attendais à ça au marathon. Bah, c'est bien. Je suis à 39 cool. Bornes là. Le pied, ça va, ça vient, mais c'est jamais douloureux, c'est gêne. Donc c'est cool. T'as marché un peu? Bon ressenti. Alors. Ouais, bon ressenti. Tu marches? J'ai marché. Bah ouais, j'ai marché quand même pas mal. Hein. Là, c'est tout dénivelé qu'on est en train de se taper. Ouais, j'ai vu. On a vu en voiture un peu. Donc là, j'ai fait 1000 de dénivelé. Presque 999. Ah, je vais aller recharger en eau. Oui. Oui. Bon. You can get water from the hose, but it's quite slow. You need to have it low. Premier ravito, je me suis pas arrêté. Et après, du coup, j'ai eu plus d'eau, mais tout pile avant le deuxième. Donc, il faut quand même faire attention. Ouais, bah là, l'allure, elle est cool. Bah ouais, c'est bien. 722. Il fait pas trop froid, il pleut pas, franchement. Non, moi, je suis bien. Par contre, t'es dégueulasse. Hein. Là, c'est... Tiens, tu veux filmer, Mel? C'est hyper beau. J'ai les pieds trempés, déjà. Bah, ça a été vite. Hein. À un moment, j'ai encore pas hyper ma chaussure. Et mon pied est dans la boue. Elle. Après, il a plu pendant tellement de jours aussi. Ouais. Bon. T'es prêt à repartir? Finir ma pompote que j'avais attaquée tout à l'heure. Eh ben quel staff technique incroyable. Tiens, délaisse-moi de ça. Ah oui, bah bien sûr. Et t'as pas le droit à l'assistance, monsieur. On m'a pas vu. Bon allez, bisous. On y va. Allez, bon courage. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors là, je viens de finir la deuxième boucle avec du dénivelé. Ce qui fait que je suis à 1005 de dénivelé normalement, je n'ai pas vérifié. Et donc 3/5 du dénivelé de la course est fait, alors que j'ai pas encore fait un tiers des kilomètres. Je suis à 53 km. Bon, du coup, les jambes sont bien attaquées. Le dénivelé a fait son effet, il est technique. Enfin, il y a beaucoup de boue en fait, beaucoup de caillasse. Donc ça use bien. Mais bon, voilà, je sais courir. Et là, maintenant s'enchaîne 80 km de plat. Donc, bah voilà, on va voir comment ça se passe dessus. Un peu nouveau pour moi, ce format de course, on va voir. Là, il y a le ravito dans voilà, 500 mètres à peu près. Normalement, il y aura du chaud, une soupe et d'autres trucs. Je vais vous filmer ça. Voilà, tout à l'heure. Les supporters qui font aussi finalement un ultra quelque chose. Ah, je suis pas encore trop dégueulasse, hein. À part ici. Ouais. Non, pas trop, non, franchement. Bon, les jambes. Voilà quoi. Petit bambou. Donc là, on est au ravito 4. Donc là, il y a du chaud. J'ai une soupe de poireaux, je crois. Après, il y a du riz aussi. Et du nac à 7 euros la gaufre. T'as mis quoi dans ton...
Quel bout? De Camelback. J'ai remis de l'iso. Par contre, je crois qu'elle m'a mis du citron alors qu'il me restait un fond de plastique. Mmh. Bah, après, il y a bien Oasis Pomme Cassis Framboise. Ouais, ouais. Ça peut se faire. Tu l'as inventé un nouveau bouillon. Ils font pas de bouillon? Je crois qu'ils vous donnent pas. Il m'en reste un peu là. Bouillon? Je vais doser. Donc je vais deux gorgées de temps en temps, je peux deux. Oh merde! Mais au moins, il y a un bel apport en sel, c'est bien. Ouais. C'est très important. Il faut que je veux une crème l'entrejambe. Sinon, ça va frictionner. Actuellement, je suis 109e sur 700. Mais j'essaye de pas me focus sur ça parce que sinon je vais me buter. voilà. Là j'ai pris 10 minutes tranquillement au ravito chaud avec ces mesdames en bonne compagnie. Et là, on repart à la guerre. Bon, j'y vais. Tu veux? Bon, bah bonne nuit. On te suit, mais on prend la voiture, nous. Ouais, bah tu peux me pousser si tu veux. Allez, go! À tout à l'heure! Voilà. 66 km. Ravito 5. Là, j'ai suivi un petit groupe pendant 1h30. On était 8. C'est cool, c'est passé plus vite. Voilà, ravito. Mon petit bout de chemin, bientôt la moitié. Ouais, dans 14 km, ce sera la moitié. Alors, la difficulté de cette course, c'est que après l'épisode de dénivelé au début, là, bah, c'est qu'il faut courir tout le temps. Enfin, c'est plat tout le temps, donc voilà, tu déroules et du coup, bah, ça fracasse. T'en viens à apprécier. La moindre petite montée qui te permet de marcher, de récupérer. Je suis au ravito. Je ne sais plus combien. Et ici, il y a les drop bags. Donc je vais pouvoir changer de chaussures, chaussettes, me sécher les pieds. Parce qu'on est passé dans des flaques qui faisaient arriver l'eau jusqu'au tibia, pour les plus profondes. Et l'eau, elle est gelée, c'est horrible. Donc là, je vais commencer par me changer, puis je vais remanger un truc chaud. Et je prends le temps, parce que j'ai une avance de dingue sur ce que je voulais faire, enfin sur ce que j'espérais faire. Donc je vais prendre 20 minutes là. Genre, je suis à 87 km. En 7,54 de moyenne, soit 11h30. Donc je suis bien parti pour faire sub 24 heures. Moi qui espérais faire sub 30. Et finisher même. Voilà, allez, à plus. Bon, finalement j'ai mis 35 minutes, mais je me suis séché les pieds, j'ai changé de chaussettes et de chaussures, je me suis bandé deux orteils qui commençaient à faire la gueule. Brrr, oula, j'ai froid là. Je me suis changé la tenue du haut intégralement parce qu'elle était trempée, mais là statique pendant 30 minutes, même avec une tenue sèche, ça caille. Oh, j'ai à toi de bailler, putain. Chucky. Faut que je relance la machine là. J'ai mangé un truc parce que c'est, il y avait du riz dedans et une sorte de sauce bolognaise avec. Là je suis en train de charger ma montre en système D. Hop hop hop. Dans la poche. Puisqu'elle avait pas tenu à ma bière. Donc voilà, j'ai un peu abusé sur la pause, mais bon, ça reste du repos. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je me suis remis de la crème anti-friction pour la quatrième fois à l'entrejambe, puisque moi je suis sujet à frottement et à la fin c'est très douloureux. Donc là ça passe bien pour l'instant. Bon, je vais me remettre à courir parce que je caille. Si j'y arrive. Parce que là les jambes elles ont refroidi. Ça va être un peu en mode robot au début, puis après ça va aller.
Bon alors, à tout à l'heure. Ça c'est quand t'as de la chance, il y a des planches pour esquiver les grosses flaques. Sinon des fois t'en as des plus grosses que ça, qui prennent littéralement tout le chemin. T'es obligé de rentrer dedans. Bon. Comme vous pouvez le voir, le jour s'est levé. Donc ça fait un peu du bien au moral. Mais pas aux jambes. Bon, je suis à combien là? 94 km. Bon, j'alterne marche et course. J'ai tenu longtemps quand même, hein. 97 km. Donc c'est cool. Mais bon, là, je suis démoli. Il reste 63 bornes. Mais ça va le faire. Enfin, j'espère. Mais je suis bien parti. Parce que là, avec l'avance que j'ai, je crois que je pourrais tout marcher en fait. Voilà, affaire à suivre. Mais c'est bien parti et je suis content. Les 100 sont passés. Plus que 59. Ça pique, ça pique. 103. Dans un kilomètre, je serai officiellement à 2/3. Je m'accroche à des petites victoires comme ça, ça permet de tenir. Voilà, je commence à marcher de plus en plus souvent, mais je suis toujours en majorité en train de courir à un rythme de 7:30, mais ça se prend. Et les 24, les sub 24, plus j'avance et plus il y a de chances que ça passe. Donc voilà. Allez, je reprends le run. Je suis mort. 112 km. Une pause de 4 minutes. Et c'est reparti. km 5. Je suis en train de me forcer un peu là pour essayer de rester sous les 24 heures, mais ça va être chaud. C'est pas facile. C'est le 50 ça. Coucou, comment ça va? Ah bah non, c'est pas fini. Hein. C'est bientôt fini, mais c'est pas fini. Bon, ça va être mort pour les 24, je pense. J'ai encore beaucoup d'avance, mais c'est bien dur de courir là. Bon, on s'en fout du temps, vite c'est que tu finis. Ouais, c'est ça, je vais faire attention, je vais jouer la sûreté. Allez, viens, on va monter avec toi. Cool. Ça va? Ça va être quoi? Ah, champion! Il va beaucoup plus vite que moi, il a encore des jambes. Aujourd'hui, il faut que ça passe avant de voir. Qu'est-ce qu'il dit, l'artiste? Bon. En vrai? Ça fait combien de minutes? 2h20? Mais l'équipe de choc. Bon là, il arrive dans les 20 derniers. Le petit ravito de la fin. Yep. Je suis rincé. Je suis cuit. Mais t'es sur des bonnes bases. Ouais, bah j'avance encore. Large, en avance.
Hein ? C'est large, on avance. Ouais, de bah ouais, de ouf. J'ai pas trop de crainte sur le fait d'être finisher, mais là pendant 3 heures, je me suis accroché au fait que je pouvais faire un moins de 24 heures. Du coup, j'ai essayé de courir un peu plus. Du coup, je suis KO maintenant. Donc, j'aurais pas dû. Parce qu'en plus, je pense que ça va pas passer là. Ou alors, faut que j'aille regarder. Sur les 20 derniers qui te restent, t'as deux belles montées. Ça se divise en deux sections. T'as une première section vraiment en forêt roller coaster. Tu redescends tout en bas, tu vas avoir un bon 1,5 de route et tu démarres la deuxième section de bois, okay, qui est carrément plus sympa. Une fois que tu seras tout en bas, il t'en restera 9 de plat. Ok. Ah, y a peut-être moyen de remonter alors sur les 9 de plat. Technique ou pas les derniers? Non, c'est 9 de plat, route, des petits chemins okay, comme ça quoi. Merci. Aïe aïe aïe. Mais là, il faut juste que tu en gardes un peu sous le coude dans les deux sections de forêt. De toute façon, je vais tout marcher. Hein. Oui. Et après, on verra ce que c'est. Ça glisse beaucoup. L'eau et la boisson. On trouve que tu marches mieux quand tu suis Thomas que quand tu vas au McDo. Oui. Mais c'est parce que du coup j'ai mangé le McDo. Ça va ? Bah oui, moi ça va. T'es fatigué ? Un petit peu, mais. C'était trop bien parce que du coup, vu que je t'avais mis en favori sur Lifetrail, dès que tu passais un ravito, je recevais les notifs de ton avancée. Je prends pas mon tel. 50 quelque quand même. Bah du coup je savais sur la montre, c'était trop bien. À chaque fois je voyais Thomas Pierres. Tac. Ah, j'ai désactivé le Bluetooth pour la batterie moi. Ça marche avec moi ou pas? Ah bah. T'as tout d'eau, t'as tout? Ouais c'est bon. J'ai plus de fond d'eau. Je suis full, j'ai 2 litres. Je continue mon reportage. Comment tu te sens? Moi je suis bien. C'est les jambes là qui commencent à être. Là qui commencent. C'est sûr, elle est maudite quoi. Puis je commence à avoir avec la distance, les chevilles un peu, les genoux. Sans que ce soit trop méchant non plus, mais c'est les 4, les 2 chevilles et 2 genoux. Wow. C'est là où vous m'abandonnez? Non, t'as accompagné au parti. Merde, c'est bon en marchant, en tout cas je peux t'accompagner. Allez, on va aller chercher cette bagouze. Cette bagouze. Qu'on ne va pas porter, bien sûr. Et... T'inquiète. Tiens. À tout à l'heure. Allez, bon courage. À toutes. La technique est approximative, les amis. De par le manque d'énergie. Bon, here we go. Bon, allez mon gars. À tout à l'heure. À tout à l'heure, hein. Donne tout, ça va aller. Bon, je me suis brûlé les ailes à essayer d'aller chercher le 24 heures. Du coup là je suis démoli. Je viens de faire une montée-descente à 3 km/h. Et avec les bâtons. Bref. Il reste 18 bornes. Ça c'est le côté positif. Mais le côté moins bien, c'est que ça risque de prendre 4 à 5 heures. Non, après il y a du plat normalement. Là on a 10 km de montée-descente. Après c'est du plat. On verra bien, mais ça va être long encore.
suis cuit. J'ai les yeux qui se ferment tout seul là. J'en veux plus. Il aura fallu quand même que ça se corse à la fin. Elle sera méritée, la chevalière. Parce que sur cette course, on n'a pas une médaille, mais une chevalière. Bon, elle n'est pas encore gagnée. Allez, je suis à 145,6. Donc il manque un peu moins de 15 bornes. Bon, me voilà sur la fin. Enfin, il reste 5 km et je suis accompagné du frérot qui a tout niqué sur le 100 km. Et c'est mesdames. Pas de paparazzi. Donc là, on marche tous ensemble. Après, il me lâche. Je fais encore 3 petites bornes tout seul, voir si je sais un peu courir. Puis on termine ensemble. Boum! Bon, au moins je suis sub 25, c'est déjà ça, je suis trop content. Sachant qu'à la base j'espérais moins de 28. Et le plan A c'était surtout de finir. Donc ouais, trop content. Je suis à 10 minutes, 15 minutes max, de franchir cette ligne d'arrivée. Ça fait plaisir. Let's go. Voilà, ça c'est l'arche. Non, c'est pas l'arche, c'est les barrières pour arriver à l'arche. Thank you. Yes. 100 meters. Ok, babe. Here we go. Je ne filme pas la ligne d'arrivée avec ma GoPro, mais normalement, j'ai des paparazzi qui s'en occupent. Allez, Thomas. Bravo. Tout ça pour ça. J'apporte la quincaillerie. Tiens, je vais prendre à boire et à manger. Did you get your ring? Yep. And then you have t-shirts here? I have everything. I never forget this kind of thing. Ah là là. Bon, je prends rien en fait. La flemme. Ah oui, c'est excellent. Vous êtes endormi, mais moi je me suis endormi assez vite après. Là ça me paraît pas mal. Pas trop. On est bon. Allez. Santé au périple suédois. suédois approximatif. Le viking.